Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'un bug que Bubz Jeu a publié sur sa chaîne YouTube. Donc sa chaîne YouTube sera bien sûr en description, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et n'hésitez pas à aller liker sa vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir si vous le faites. Alors, ce bug qu'il a eu est exceptionnel et insane parce que personne n'a réussi à dépasser la comète ou même à l'atteindre. Donc, ils ont essayé de construire des constructions pour aller jusque dans le ciel, puis utiliser des tremplins, utiliser des missiles guidés, mais ils n'ont jamais réussi à atteindre la comète. Et ce type-là, mon pote, il a carrément dépassé la comète. Il a carrément une vue d'ensemble de la planète Terre de Fortnite. Donc c'est vraiment insane. Donc là je vais vous la montrer tout de suite. Donc là je vous l'affiche à l'écran et regardez, c'est parti. Donc là on voit qu'il est dans le bus tranquille, au calme. Là il aurait déjà dû être sorti du bus, mais ça ne l'a pas éjecté du bus. Et là ça l'éjecte du bus genre 3 secondes après qu'il devait être sauté et ça l'envoie en l'air. Mais il n'a pas de personnage, c'est juste sa caméra qui se barre en couille et qui monte super haut. Et regardez, la map elle est toute petite et regardez. Enfin, quand il va regarder un peu toute la vallée de gauche, c'est un truc énorme, quoi. Franchement, je sais pas si un jour on pourra avoir une map aussi grande que ça, mais c'est vraiment énorme. Et là, on a pu voir un petit peu la météorite. Et en fait, la météorite, elle est pas si loin de la planète Terre, en fait. Hein. Enfin, de la carte, hein. Elle est pas très très haut. Elle a déjà, on dirait, elle a déjà atteint l'atmosphère terrienne, quoi, on va dire. Elle est déjà dans l'atmosphère, on dirait. Donc voilà, je vous ai fait un petit arrêt sur image, là. Vous pouvez bien voir que la météorite, elle se trouve en haut à gauche. Et elle se dirige vers la map que nous on a. Donc après, je sais pas si elle va détruire Tilted Tower ou Leaky Landing. Ouais, Landing, pas Lidl cette fois-ci, hein, je me suis pas trompé, MDR. Pour la petite anecdote, en fait, que dans une précédente vidéo où je parlais de la météorite, donc toutes les vidéos seront en description. En fait, sans faire exprès, j'ai parlé de Leaky Landing en disant Leaky Lidl. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai un ancien pote sur la Play qui lui s'appelait Leaky Landing ou Leaky Lidl, je sais pas. Et moi à chaque fois je l'appelais Leaky Lidl et en fait ben j'ai confondu. Et quand j'ai parlé de Leaky Landing, ben j'ai dit Leaky Lidl. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc je reviens au sujet de la vidéo. Donc on peut voir la météorite qui va vers la droite. Elle est quand même pas si petite que ça quand tu regardes, quand tu compares la map et la météorite. Je trouve qu'elle est pas si petite que ça. Elle fait au moins une 10% de la map, peut-être 5 à 10% de la map. Bon après je prends bien sûr la traînée de fumée qu'elle laisse derrière elle, mais je pense qu'elle va faire des dégâts. Donc voilà, après quand on continue la vidéo, regardez ce qui se passe. Le type il se retrouve tout en bas. Son personnage, son skin n'est pas apparu directement, il est apparu un petit peu après. Mais voilà, il est resté en hauteur, au calme, tranquillement, pendant un très long laps de temps. Donc là je vous remets la vidéo, regardez, voilà, hop, ça remonte. Comme ça je vous remonte une dernière fois la vidéo. Puis là, il regarde le ciel, il monte en l'air, regarde la map là, on voit toute l'eau, franchement, c'est une planète remplie d'eau. Hein. Si ce serait notre planète, il n'y aura pas beaucoup d'habitations, hein. On serait vite surpeuplé. Mais regardez comme la planète, elle est bleue, quoi. Elle est vraiment bleue de ouf, regardez-moi ça. Tout, juste la vallée là, à gauche, une grosse vallée de la mort, là je crois qu'il y a des dinosaures et tout. En bas à droite, on voit que la vallée elle est coupée en deux, quoi. C'est comme s'il y avait eu un laser qui l'avait coupée en deux. Et là carrément il arrive dans l'espace, quoi. Il est dans le noir et tout, dans l'espace. Et on voit encore notre petite comète là qui va bientôt s'écraser. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous montrer ce petit bug de ouf. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Bubz Jeu. Et voilà, n'hésitez pas à commenter sa vidéo, à liker, à vous abonner si jamais sa chaîne vous intéresse. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Sur ce, ciao, peace.